on a eu deux catégories de projets, je dirais des projets qui sont un peu de l'ordre du brainstorming et qui nécessitent vraiment beaucoup de mise en place concrète encore à réfléchir, et alors des projets déjà un peu plus élaborés, et c'est peut-être ce qu'on a mis en avant dans une sorte d'escalier, partant d'un premier projet qui vise vraiment à rassembler sur base d'initiative bottom-up des membres de la communauté universitaire autour des VITES, les vendredis internationaux, la transition écologique et solidaire, et donc rassembler les membres de la communauté universitaire de tous horizons pour faire des actions concrètes, que ce soit lancer un compost partagé, visiter une ville ensemble, aller ramasser des déchets, réparer des fuites d'eau dans leur laboratoire. Voilà, vraiment des initiatives très concrètes. Ensuite, on a une deuxième marche sur cet escalier avec des projets un peu plus structurants, et donc le soutien de l'institution et un support physique ou de plateforme en ligne. Et on a une dernière marche sur cet escalier qui un peu, je dirais, rassemble et met du ciment autour de tout ça, en permettant éventuellement de créditer ces initiatives qui tournent autour de l'international, puissent entrer dans une sorte de parcours qui leur donne accès à un passeport international. Ce qui m'a vraiment très positivement surpris, c'est ce que je voulais rappeler dans l'introduction tout à l'heure, c'est que l'approche de l'international qui a été partagée ici aujourd'hui est tout sauf mercantile. Donc en d'autres termes, on n'imagine pas l'international comme une valeur ajoutée à la qualité de l'université sur un marché. Au contraire, on a rappelé que l'international, décliné à travers les catégories de l'approche interculturelle et du pluriculturalisme, participe de la substance même de l'université, de son projet éducatif. Moi, je suis arrivée ce midi en ne connaissant à peu près pas les projets qui étaient proposés. J'ai été prise dans cette énergie-là et c'est très nourrissant, c'est très enrichissant. L'autre élément qui me frappe, c'est qu'il y a 30 ans, Erasmus commençait à vivre. C'était réservé à une élite, à certains étudiants qui avaient la chance d'être stimulés dans leur famille. Aujourd'hui, tous ces projets visaient à permettre une expérience internationale à l'ensemble des étudiants ou à l'ensemble de la communauté universitaire, que ce soit intramuros ici à l'UC Louvain ou bien que ce soit en partant vers l'étranger. J'ai aussi été frappée par une convergence et donc par une intelligence collective qui quelque part décliné de manière parfois un peu différente des volontés, des souhaits très proches. Et donc là, je pense qu'on est vraiment dans des projets qui, du coup, ont un potentiel énorme, puisque au total, ils rassemblent des volontés, des désirs et des intentions conjoints, communément partagées. Et donc là, je pense que c'est un gage de réussite pour ces projets-là. Ce sont des propositions qui sont émises par des gens qui ont une expérience de l'université. Chacun a son expérience singulière, mais finalement, ils sont parvenus à les conjuguer de manière telle que ça devient véritablement un programme, une vision qui peut être partagée par tous. Le fait qu'une université organise cet événement, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que je sais que ça se pratique dans plein d'autres environnements, et ça m'intéressait particulièrement aujourd'hui de le voir dans une université, puisque je travaille moi-même dans une université, donc la méthode m'intéresse. Ensuite, ce que je trouve assez frappant, c'est que les projets qui sont sortis, d'abord, il y a des projets qui sont sortis et qui étaient des projets concrets, réalisables. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est la diversité. C'est d'avoir des étudiants, d'avoir des administratifs, d'avoir des enseignants, d'avoir aussi, on avait quelqu'un qui était plutôt au niveau de la direction. Tous ces gens-là se tutoient, discutent, échangent. On a planifié les hiérarchies et on discute tous ensemble. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est une énergie où tout le monde peut collaborer et participer. Ce qu'on crée, on le crée ensemble. Il n'y a pas de question de ceux qui dirigent et ceux qui obéissent. C'est vraiment tout le monde est au même niveau et on collabore ensemble. C'est vraiment ça qui est le plus marquant.